Dans le cadre du programme Imaginons ensemble l'avenir des services de l'État dans le Grand Est, une feuille de route en 5 axes a été produite. L'axe 1, qui s'appelle Porter et partager une vision commune, a permis de concevoir un livrable, le traceur des innovations. Je suis Pauline Carret, je suis responsable du LABEST, le laboratoire d'innovation publique en Grand Est. Bonjour, Estelle Marcovic de la région Grand Est. Je suis chef de projet au sein de la délégation à l'innovation et à la modernisation de l'action publique et membre du LABEST. Le LABEST réunit la préfecture de région Grand Est et le conseil régional Grand Est dans une même dynamique d'innovation. Il associe également l'ensemble des acteurs de l'innovation publique en région Grand Est à ses projets. Et le traceur d'innovation a été conçu avec l'ensemble de ces acteurs. Nous avons imaginé le traceur de l'innovation pour répondre à un enjeu précis qui est de rendre visibles les projets qui contribuent à améliorer les services publics et nos organisations. C'est un outil numérique qui permet également de fluidifier les possibilités d'implication et transfert d'innovation au sein d'un réseau. Concrètement, si vous pilotez un projet qui permet d'améliorer les services publics, le traceur vous donne la possibilité de rendre visible votre projet. Vous êtes en recherche de projets inspirants sur un sujet précis, vous trouverez également votre compte sur ce traceur numérique. Il existe donc une grande variété de thématiques de projets d'innovation et de transformation publique. L'intérêt de cet outil, c'est aussi de visualiser l'avancée et le niveau de maturation du projet, puisque chacun avance à son rythme et l'idée est de pouvoir prendre contact à chaque niveau d'avancée du projet. Donc le travail a vraiment consisté à travailler sur une forme dynamique avec une cible inversée où chaque point représente un projet d'innovation à son temps de développement à l'instant T de la consultation. Cette vision d'ensemble peut ensuite être approfondie. Si vous êtes intéressé par un projet, vous allez sur sa fiche pour voir évidemment la description, mais aussi accéder à des ressources et entrer en contact avec l'équipe du projet si vous le désirez.